c'est pas grave. Bah tiens, je vais te faire étudier cuisine, tiens. Je vais voir, il lui reste quoi comme point? Ah non, peut-être pas. Non, nettoyage, allez. Ou mécanique à la limite, parce qu'elle est souvent à la maison. Mécanique. Allez, comme ça, vous parlez en même temps, c'est bien. Ça va, ta distraction, elle est pas pourrie, te mets pas à jouer, quoi. Ouais, c'est bien. Allez, allez, apprenez, apprenez. Voilà, impeccable. Allez, ça va suffire pour toi, Eliona. Pour Pépère aussi, d'ailleurs. Ben, mine de rien, tu as préparé la bouffe, du coup. Voilà. Comme ça, pendant ce temps, Pépère, il continue encore à apprendre. Il continue encore d'apprendre, pas à apprendre, ça ne veut rien dire. Et hop, comme vu qu'au niveau de la distraction, il est pourri, on va le faire s'entraîner. Voilà, comme ça vous parlez. La vie sociale n'est pas forcément pourrie, tu parles forcément. Vendre un chef-d'œuvre. Mais toi, il faudra un chevalet pour faire un chef-d'œuvre déjà. Hein. Parce que le problème avec ce truc, c'est que tu apprends de la créativité, mais tu ne peux pas faire de chef-d'œuvre. Ah, j'ai reçu un message. C'est pas grave, je regarderai après. Je sais pas qui ça peut être. Bon, grouillez-vous 2 secondes, sérieux, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, grouille-toi, Pépère, parce que là, c'est pas possible, quoi. Ah, il a même pas fini son assiette, d'ailleurs. Ah oui, il va peut-être finir son assiette, quand même. Il va peut-être finir son assiette. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'as encore du temps pour te distraire un peu. Allez, voilà, vas-y. Tu te seras distrait à moitié, c'est pas mal. Mémère. Nettoie, c'est bien, Mémère, nettoie. Gagne des points de nettoyage. Ça te fera pas de mal. Et ensuite. Voilà, hop. Moi, pendant ce temps, 2 secondes. Hop, je remets des barrières. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire un puits, mais où est-ce que je vais le foutre, le puits? Ici, je pense. Là, ouais. Ou même au milieu, carrément, peut-être. Non, ici. Non, non, il y a plein de trucs que je vais devoir faire. C'est intéressant. Et... Ah oui, il va falloir que je mette aussi un escalier ici pour qu'il puisse descendre. Ah ouais, ouais, j'ai plein d'idées, là. J'ai plein d'idées. Il va falloir absolument avoir du pognon, hein. Il va pas gagner énormément sa vie, remarquez, mais enfin peut-être qu'il aura. Bah là je pense qu'il aura une promotion. Oula non, j'ai pas vu le son état, mais enfin je pense que. Il travaille pas le dimanche. C'est bien. Si on te faisait gagner un point un petit peu en physique, non? Bon non, ça va, tu grossis pas trop, mais un petit peu. Allez, hop, tu vas te faire un petit peu d'exercice. On va se marrer. Je sais même plus quel vêtement je lui ai choisi en plus pour. Putain, la dégaine. Te dégaine, mes mères. Allez, t'auras au moins un point de physique. Voilà, impeccable. On va continuer, mes mères, jusqu'à ce que ton hygiène soit pourrie. Allez, Oïs, Oïs. Voilà, impeccable. Et tu vas nettoyer tout ça, parce que c'est dégueulasse, tout ça. Ah, ah. Tu maigris, t'es contente. Ah oui, en effet. Tu prépareras de la bouffe parce qu'après ton homme il va pas tarder à rentrer. Enfin ton homme. Ils sont pas encore ensemble mais bon. Enfin ils sont entichés déjà, c'est déjà pas mal. Ouf, 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 quand il va revenir, Pépère, il va vite se laver. À l'éponge et puis il va nettoyer aussi. Non, nettoyer sera pour l'autre Golios. Non, c'est pour lui parce qu'il en a besoin. Pour son boulot. Ensuite, faudra qu'il mange. Bon, l'appétit ça a l'air d'aller. Hein. C'est plutôt la distraction. On fera la distraction, l'appétit après. Oui, bah l'appétit elle aussi après alors. Je vais attendre. Je vais attendre et je vais étudier la cuisine, tiens. Qu'on fasse des bons petits plats. Attendez. Non, nettoyage, tiens. Non, j'ai changé d'avis, Golios. Tu changes, tu... Non. Ouais, bon, on va quand même préparer la bouffe là parce que... Mine de rien, après l'énergie, son énergie commence à baisser. Putain, alors lui, il en peut plus. Hein. Lui, il en peut plus du tout. Je sais pas s'il va avoir une promotion parce que vu son état... Là, j'ai mal géré son énergie, là. C'était vraiment débile. Ouais, ah bah du coup, elle va se pioncer toute seule. Vous avez vu, elle est tellement crevée.
Elle a juste eu le temps de faire la bouffe, c'est bien. C'est bien, mes mères, c'est bien. Ah, tu rentres du boulot. Petite promotion, please. Putain. C'est abusé. Oh, il y avait les factures. Oh là là. Faire les mots croisés et recycler. Ça lui fera... Je crois que les mots croisés, ça fait de la logique. Donc, bon, voilà. Et, désolé, Pépère, mais tu vas quand même te laver avant de te coucher parce que... Pendant un moment, il y a une petite distraction. L'autre, il se lave, il est content. Il se distrait. Oui, bah. Oh, tu penses à Karl. Lui, il pense à lui-même. Ok. Ça, elle aussi. Non, mais n'importe quoi, vous. Un brin narcissique, les cocos. Hein. Ah, assez levé, mes mères. Ouais. Petit besoin ou pas? Tu fais ton lit? Bon, oh, il fait bien, mes mères. Ils vont être full en logique, hein, à force de se distraire qu'avec ça. Mais bon, par la suite, vous inquiétez pas, je... Bah, tenez, par la suite, le chevalet coûte combien? Oh! Se marier et avoir un bébé. Ouais, et ben, on va déjà te faire avoir des sentiments amoureux, ce sera déjà pas mal. Hein? Se marier... Ah, mais il foutra jamais Karl. Hein. Il est branché cul, donc forcément, lui, il s'en fout, hein, du mariage. On verra. On verra si je la joue bien, à mon avis, je peut-être qu'il pourrait avoir envie de se marier. Ah, faut que je sorte les poubelles, voilà. Mais heureusement que j'ai ce potager quand même. Hein. Parce que dis donc, là, pour le moment, c'est un peu la galère. Ça m'agace, hein, parce que là, franchement, j'ai fait une famille. Enfin, bon, elle est toute seule, mais bon, avec des métiers normaux, bah, ça va très vite, l'argent, donc bon. Faut que je fasse le dîner, parce que, comme ça, quand Pépère, il se réveille, il aura à manger. Son énergie est bonne de toute façon, donc lève-toi. Voilà. Là, je tiens les doubles. Ok. Ouais, mais j'ai pas le pognon pour les gens, je suis désolé, mais... Ah. Amis. Bah, ils étaient déjà amis de toute façon. Hein. Allez, Karl, faut que tu sois à fond en distraction, là. Oh, il travaille pas. Oh merde, quel con. Putain, j'avais pas vu le jour. Je suis dégoûté. Il était vert de chez vert. C'est pas vrai. Oh là là. Ah, je suis dégoûté là. J'ai ce qu'on peut appeler communément avoir les boules. Mais un truc de malade. Je suis dégoûté, purée. Foulait avoir une promotion et tout. Oh, j'ai bien envie, vous savez quoi, de vous zapper la journée entière pour arriver directement au boulot là. Non, quand même pas, mais... Hihi, sacré Karl. Fallait du rentre dedans. Faire des sous-entendus, non, c'est encore pire. Tiens. Tu vas faire quoi, toi, mes mères? Dire des mots doux, tiens. Ah, 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 ah. Ah, de son côté, mais pas encore elle, hein. Oh, lui, il est amoureux, bah dis donc. Remarque, c'est lui qui est censé succomber plutôt au charme de la princesse, donc du coup c'est assez logique tout ça. Bon alors là, si elle tombe pas amoureuse, l'autre Golios. D'accord, donc c'est vraiment une Golios. Bon attendez là, c'est pas possible. Proposer, tiens. Demande de fiançailles. Oh! Oh! Peut-être alors. Draguer, caresser la joue, tiens. Ça va. Mais t'es toujours pas amoureuse, mes mères, c'est pas possible, tu fais exprès quoi. Ah, et donc. Oh là, oh là. Se fiancer avec Karl, oh. Alors, lui il a pas peur de ça, donc autant lui demander. Proposer, demande de fiançailles, elle va être comblée l'autre, mes mères. Non. Non. Oh. Oh là. Oh là ça. Oh non. Espèce de Golios. Attends, elle veut se marier et elle refuse. Fallait que je propose à Karl alors. C'est moi qui aurais dû le proposer, c'est ça? Je comprends rien du tout. Oh, moi, 3500. Bah, tu parles. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté.
Oh, pauvre Pépère, pauvre Karl, je suis désolé, Pépère. Elle est goliose, elle veut se fiancer, elle refuse, mais espèce de neuneu. Ah, quand même. Par contre, lui, il pense toujours à faire crac-crac. Hein. Ah, elle veut faire crac-crac aussi. Hihihi. Bande de coquins. Bon, allez, je vais vous acheter un lit double, tant pis, ça me coûte cher. C'est trop mignon. Alors. 300, je peux pas faire mieux de toute façon. Je peux pas avoir mieux, donc tant pis. Allez, allez vous détendre, bande de Golios. Et vous allez faire crac-crac, vous allez être content. Bande de coquins. Ah. Ouais, content. Lui aussi, il est content. Tu parles. Oh là, oh non. Baiser l'engouré avec trois Sims. Non, non, non. Je vais te changer ton aspiration à toi. Il faut que ce soit la famille. Non, c'est hors de question. Hors de question que tu aies deux liaisons à la fois et tout. Non, non, non. Je ne veux pas que tu sois en mode connard. Donc non. Je vais te changer. Je vais vous changer vos. Enfin, elle non, l'aspiration ça va, mais lui par contre c'est mort. Je sais, c'est de la triche. Enfin bon, là, c'est le plus logique dans le script que j'ai fait du couple. Donc bon, il y a un moment, il faut être logique. Mais de toute façon, j'écoutais. C'est sur ça, parce que mine de rien, ça se termine plutôt bien, parce qu'elle est redevenue amoureuse. Ah et du coup, lui, la crainte, se fiancer. Ah, se fiancer avec Eliona, il a peur de se fiancer avec elle. Merde. Ah, super. Fiançailles refusée par Karl. Mais donc, c'est lui qui doit demander, alors. Il s'est réveillé déjà, Pépère. Il était pas fatigué. Ah oui. Très fatigué. Ah, ah, elle se fait embrasser, non? Attraper. Ah, hi hi hi. Mais mère. Oh, on fait une on retente un peu les fiançailles, non? Ouais, on retente, allez. Par contre, faut peut-être que ce soit elle qui demande, mais si elle demande, il risque, de toute façon, qui demande ou qu'elle demande, se fiancer avec Eliona, ça va pas le rendre heureux, donc bon. Oh, attendez, vous savez ce que je vais faire? Bah, je vais changer son aspiration. J'ai oublié que dans l'aspiration amour, c'était synonyme de tromperie, c'est un peu con quand même. Enfin bon, on voit un peu les raccourcis des Sims quand même. T'es branché amour, ça veut dire que tu trompes n'importe qui, n'importe quoi. Par contre, t'es branché famille, là, tout de suite. Non, c'est ridicule. Ça ne veut rien dire. Tu peux être branché amour, mais être fidèle. Bon. Changer d'aspiration. Choisir l'aspiration. Hop, vas-y. Donc, c'est pas l'amour que je veux, c'est la famille. Voilà. Du coup, tu vas changer. Allez, va falloir se fiancer. Voilà, je m'en doutais. Hop, supprimer. Voilà. N'avance pas, Golios, n'avance surtout pas, je te l'interdis. Allez, propose les fiançailles. Par contre, je te préviens, si tu lui fous encore un vent, Eliona, je te bute. Mais t'auras même pas idée à quel point. Allez, vas-y, propose, Coco. Ah. Ils sont cons. Ouais, c'est bien. Un petit bisou pour célébrer ça. Se marier avec Eliona, du coup. Alors, préparer le mariage, je vais vous dire, l'organiser, ça va être mort. Hein, parce que vu le pognon que vous avez, les gens... Je propose le mariage? Allez, hop, je mets ça en favori. Enfin, favori, je mets ça en réserve. Bon, allez, je vais vous quitter sur ça cette fois-ci. Hihihi. Un petit bisou pour quitter l'épisode. Voilà, c'est bien, je sauvegarde. Et écoutez, je vous dis à plus. J'espère que les épisodes vous auront plu, hein, parce que je pense que la session de tournage, là, je dois avoir au moins 3-4 épisodes. Donc j'espère que les épisodes vous auront plu. Et je vous dis à plus pour la prochaine session de tournage. Bisous.